Bah bonjour tout le monde. Bien, je viens de télécharger la démo de God of War, hein, et de faire pas mal d'essais aussi. J'espère que ça va tenir, parce que là je suis vraiment sur la limite. Enfin, quand je parle d'essais, c'est d'essais de streaming, hein. Voilà, j'ai ma chaîne dissidente. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Alors par défaut, ça va être en français, sinon on le met en grec. Bon, on va le mettre en français. Luminosité, c'est bon. Et on continue. Renorida. Dans les temps qui précédèrent les titans, bien avant les Bon, dieux j'espère seulement que la d'Olympe, qualité va être bonne, hein. une Et féroce recaf caf. bataille fit rage. La colère des primordiaux les tout premiers êtres à l'origine de la Terre fut déversée sur le monde pour une éternité. Et c'est cette fureur, cette violence sans borne, qui donna naissance aux Erinni. Ni titan, ni dieu, ni mortel, ni ombre. Les Erinni ne devaient rien à personne. Elles étaient les gardiennes de l'honneur, pourvoyeuses de châtiments et fléaux des traîtres. Quand Zeus accéda Ah, au salut ce bug. pouvoir, il découvrit qu'il n'avait rien à craindre des sœurs. Les Erinni cherchaient à punir uniquement ceux qu'elles jugeaient coupables. Le premier de ces traîtres fut Hégéon, l'Hécatonkyr. Lorsque la brute prêta serment à Zeus par le sang et trahit ensuite le roi des dieux, les Erinni ne tardèrent pas à réagir. Les sœurs traquèrent Hégéon sans relâche, et une fois capturé, elles le torturèrent à l'infini. Les Erinni estimaient que la mort était trop douce pour les parjures. Hégéon, l'Hécatonkyr, devint un exemple pour tous. Une sorte de modèle qui dissuade quiconque de rompre un pacte de sang avec un dieu. Bon bah j'espère que vous allez bien tous, hein, et que vous m'entendez bien surtout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, non, voilà, on va faire la démo, hein. J'espère que ça sera pas trop court. Puis ça me permet aussi de tester les limites de cette configuration. Retriste. Kratos, le grand général spartiate, fut finalement vaincu. Devenu fou, torturé et doutant de son environnement, le guerrier se trouva pris comme un insecte dans la toile des Erinni. Jamais, jamais tu entends. Bonjour Kratos.
Qui est-il ? Salut, toi. Tu sembles perdu, Kratos. Ne te rappelles-tu pas ce moment spécial passé ensemble ? Mais une fois de plus, nous avons été brutalement interrompus par ma sœur. Alecto n'a jamais appris les bonnes manières. Ne t'en fais pas. Je suis plutôt doué pour enseigner le respect. Pour ce que tu m'as pris, je te dois bien cela. Salut, Arrobas. C'est vraiment fou, ce dont tu es capable. Ça, je ne signifie rien. Un simple mortel ne provoquera pas ma chute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, si tu veux. On peut pas contrôler la caméra? Tu te crois spécial car Ares t'a choisi, mais en réalité, tu n'es rien! Tu n'es qu'un pitoyable mortel! Le Seigneur Ares est fou de vouloir te récupérer. Le son du jeu est fort. Tiens non. Eh oui, c'est... Normalement, là, c'est réglé. Là, c'est vachement moins fort. Tu peux toujours essayer. Et tu ne m'attraperas jamais. J'avais oublié de faire ce réglage-là tout à l'heure. Merci de me l'avoir rappelé d'ailleurs. Je peur qu'on ne m'entendait pas déjà. Il va se transformer en homme mouche. C'est la mouche. Et viens m'attaquer. Yeah!
Salut Pierrot. Combien là? Ton désir de liberté te conduira à la mort. Nous sommes tous innocents. Tais-toi! Il est contaminé! Nous sommes tous contaminés! On est tous innocents ici. Tu vas voir le sort qu'on réserve aux traîtres ici. Pour l'instant, aucune impression. Je viens de commencer. Et pour l'instant, c'est un God of War. Voyons un peu comment tu t'en sors face à l'hécatonkir. Ah, c'est dégueulasse. Esquive.
Oula. Salut Exley. Est-ce que rien n'a changé au niveau du gameplay? Je saurais te dire que... Comment dire? God of War, j'ai jamais eu la chance de réellement les faire en fait. Je les ai jamais eu entre les mains. Ça m'a jamais réellement attiré, jamais vraiment cherché à y jouer. Ceci étant, le gameplay est plutôt pas trop mal, si ce n'est que c'est quand même déroutant d'avoir un bouton, comment ça s'appelle, une des croix analogiques là sur, sur l'esquive. Vu que je suis habitué à ce que ça soit utilisé pour, comment ça s'appelle, pour la caméra. Mais sinon, du coup, que j'avais pu jouer à d'anciens God of War, c'est à peu près la même chose. C'est que ça manque légèrement de QTE pour l'instant. Ah bah voilà, les QTE. Bah bravo le voir, tu t'es fait toucher. Je suis un sac. Oh mais je suis con.
Ah bon? T'as, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait du surf! Ah, je me suis pris dans la gueule. C'est bon. Ah, rush in Loken. Non, non, mais ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais trop joué à ce genre de jeu, donc... Je découvre un peu, quoi. On fait quoi, ici? On se barre? D'accord, non, c'est à peine visible ce qu'il faut faire. Ah, y a un truc avec ces trucs dorés là. Non. Bon bah bonne nuit triste. Tchuss. R1, le bouton qui fait tout. Alors... Ok, pourquoi il veut pas monter alors qu'il y a que 30 cm? Ok, si tu veux. En tout cas, graphiquement, il le fait bien, hein. Puis bon, le personnage répond bien, en France. Plutôt agréable. Ah, salut vous! C'est le même moteur que pour God of War 3, bah très franchement Naruto, j'en sais rien du tout. En tout cas il est réussi. Très réussi même. J'ai jamais fait le 3. J'avais essayé le 1 et 2 sur PlayStation 2. Mais ça n'a jamais été plus loin que l'essai en fait. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait pas le point d'interrogation. C'est une affirmation. Bah il est réussi hein.
Je ne suis pas aussi tendre que le sont mes sœurs. Il porte une marque que j'ai jamais vue. Il est l'élu. Il nous libérera des griffes des ennemis. Il est maudit. N'approchez pas. Ah ouais, quand même. Salut Kirakira. Excusez-moi. Là, je vois pas vraiment ce qu'il faut faire ici. Je suppose qu'il faut passer dans l'autre salle. Ok, non, en fait, il fallait juste avancer, quoi. En fait, non. Oh, salut toi. Tu sais que t'es mignon avec ton œil unique là.
Imperator. Viens là, viens là. D'accord. On a pris le contrôle de la grosse bébête. Ça, il faut encore retoucher. Oh putain, c'est vrai qu'on peut pas changer la caméra. Et que le champignon R, c'est juste pour esquiver. Putain, j'avais totalement zappé. D'accord. Ouais, t'es libre, t'es libre. Ça va pas le faire très longtemps, vieux. Dieu, donnez-moi la force. Ça, c'est fait. Pourquoi j'ai pas été plus loin? Ah
Mais oui, t'as une sale gueule et tu pues. Vas-y. C'est un préquel donc Norida, c'est cool ça. Pas besoin de faire les autres. Fini ?